Rien du tout, maman, je ne fais que promener le chien. Ou disons que c'est plutôt le chien qui promène Mojo Jojo. Et qu'est-ce que c'est? Oui, oui, bien sûr, je vais chercher ton petit cadeau d'anniversaire, Nem. Hein? Les super nanas. Mojo Jojo. Vous êtes de vieilles dames toutes ridées. Vous êtes sûr que c'est Mojo Jojo? On dirait que c'est un cactus ou quelque chose comme ça. Oui, c'est bien Mojo Jojo, le chapeau, le rire diabolique. Le sourire vainqueur. Non, salut Mojo Jojo. Vous êtes si vieille et si ridée que vous ne pourrez jamais rien contre mes nouveaux plans démoniaques. On est peut-être vieille et ridée, mais on a toujours autant de peps dans nos biceps. Allez, venez les filles, on va l'attraper. Mojo Jojo est fatigué de ce numéro ridicule. Il adorait rester un peu, mais il a d'importants crimes à commettre. Et quelques petites courses à faire. Reste ici, mon beau toutou, et surveille bien ses mamies jusqu'à ce que je revienne avec plein d'argent et deux ou trois trucs. Un bateau, le bateau a une cloche ding-ding. Maman, tu aimes le rubis, non? Ils vont bien avec tes yeux, tes merveilleux yeux rouges. On doit arrêter, Mojo Jojo. On ferait mieux de voler. C'est pas facile de vieillir. D'accord, maman, je dois te laisser. Mais maman, je suis en plein milieu de ma journée de crime pour ton anniversaire. D'accord, je t'aime moi aussi. Maintenant, c'est le moment de me faire un petit cadeau perso. La destruction de ces bestes de super nana. Jojo, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On n'est rien d'autre que des vieux sacs d'os et de rides. Réagissez, mesdames. Est-ce qu'on a abandonné quand Gros Filou a kidnappé le maire et l'a transformé en fromage? Non. Et est-ce qu'on a jeté l'éponge quand Princesse Plénosas a voulu nous attaquer avec une infâme armée de chevaux robots? Non. Est-ce qu'on a laissé tomber l'ours en peluche dans la machine à trappe jouets, même quand on a vu que Bulle avait sa main coincée dedans? Non. Est-ce que vous êtes avec... Oui. D'accord, alors allons-y. Tiens-toi prêt pour un délicieux goût de justice. Tu vas arrêter de nous coller au masque. Je crois que ça va l'emballer. Vous ne m'arrêterez jamais avec vos tours minables de mamie gâteuse. Je suis mon Jojo. Et toi, t'es en train d'embêter nos grands-mères? Ça, c'est ce que j'appellerais une bonne petite correction à l'ancienne. Les filles, ça y est, j'ai l'antidote. Waouh, ces enfants nous ont vraiment montré beaucoup de respect. Je crois que ça va me manquer d'être vieille. Moi aussi, et je crois sincèrement parler au nom de nous trois quand je dis... Excusez-moi, mesdames. Chin. On est vraiment désolés, professeur. On n'aurait pas dû être aussi pressés de grandir. Oh, les filles, je voudrais que vous ne grandissiez jamais. Ça fait du bien.